Et salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des petits kiffs de Myrix. Là ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 1 mois que je vous avais pas fait de petite vidéo là-dessus. Bah oui, il y a eu les vacances et tout ça, c'était pas spécialement évident pour moi de tourner ça dans les semaines qui sont passées. Mais voilà la petite vidéo, donc des petits récapitulatifs de ce que je me suis fait comme petit kiff justement ces dernières semaines. Voilà, donc on va commencer par une licence que j'adore, hein, que je porte dans mon cœur depuis les années 80, puisque c'est environ ça a été produit dans les années où je suis né, donc voilà, et j'ai adoré ce film. Et là on va partir sur Roger Rabbit. Je me suis trouvé un petit objet en corrélation avec Disneyland et McDonald's. Alors vous allez me dire, mais et Roger Rabbit? Bah ouais, pourquoi? Bah en fait, tout simplement parce que dans les Disneyland, dans les années, donc là c'était 94, il y avait des McDo. Et dans ces McDo, ils distribuaient des jouets. Et les fameux jouets, voilà, donc là c'est le packaging qui est encore scellé. Donc comme vous pouvez voir, de 1994. Et dedans, il y a une petite voiture de Roger Rabbit. Voilà, sur sa voiture. Donc c'est Benny, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà. Un petit jouet assez rigolo que je trouve sous blister encore, donc je trouve ça assez sympa, donc ça ira dans ma petite collection de jouets des années 80-90 pour le coup, là-bas dans mon petit coin rétro. Voilà, tout simplement. On reste sur Roger Rabbit. Je me suis un petit délire. Alors ça, c'était sur Vinted et j'ai payé ça quand même pas loin de 11 balles, je crois, le jeu. Donc bon, c'est pas spécialement cher. Enfin, si vous êtes un peu curieux, allez voir un peu les prix. Il y a vraiment de tout. On peut tomber sur la bonne occasion à 5 balles comme sur la mauvaise occasion à 25 balles. Et pourtant, c'est exactement le même jouet. Après, il y a un set complet qui existe. Alors je crois que ça doit être il doit y avoir 5 jouets, de ces années-là. Et après, il y a du Mickey. Je crois qu'il y a du Alice in Wonderland aussi, il me semble. Mais bon, c'était vraiment Roger Rabbit qui m'intéressait. Donc voilà, donc oui, 10 balles, 11 balles en gros, à peu de choses près pour ce jouet. Là sur Vinted, encore une fois, j'ai trouvé une personne qui avait un petit stock de goodies, encore une fois des années 80. Et là, on reste encore une fois sur Roger Rabbit. Je me suis trouvé ceci, un petit porte-monnaie. Hop, de Roger Rabbit. Je vais vous l'ouvrir complètement, ce sera plus simple. Voilà, le dessin, ça donne ça. Il est de 1987 et il est neuf. En fait, il a jamais servi. Voilà. Alors, il servira pas non plus pour moi, parce que je vais le garder dans cet état-là. J'ai envie. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuxième. Il y en a un deuxième qui me plaît un petit peu plus. Alors vous allez me dire, il est rose, il est vert, ouais, mais c'est pas grave, c'est pour mettre mes billets pour les brocantes, tout simplement. Celui-ci est aussi de 1987, il a encore même son étiquette, donc ça c'est vraiment cool. Et je sais pas, je le trouve rigolo, avec la ventouse à toilette qui est là, il se la met dans la tronche, enfin bon, c'est assez cool. Hop, et voilà, pareil, après ça reste un petit, en plus il y a la petite poche pour mettre la monnaie, donc là je pourrais mettre les billets assez facilement, c'est assez cool. Donc voilà, ces deux petits porte-monnaies là, ils m'ont coûté, c'était 25 euros, ouais c'est ça, ils m'ont coûté 25 balles quand même, mais bon, ouais, quand on aime, on compte pas entre guillemets, donc voilà, Roger Rabbit, une licence que je kiffe, les années 80, en état neuf, voilà. Et on va rester encore une fois sur Roger Rabbit pour un nouvel item. Celui-ci c'est uniquement de l'achat, délire, on va dire, parce que c'est une cravate, tout simplement. Je déteste les costumes, je déteste tout ça. Mais si un jour je dois remettre un costume pour le mariage d'un pote, pour autre jour ou quoi que ce soit, je mettrai cette superbe cravate de Roger Rabbit. Regardez, avec donc le baby, avec le bébé, voilà, comme ça. Elle est vraiment magnifique. Je kiffe les dessins qui sont dessus. C'est vraiment cool. Voilà. Et la petite étiquette officielle derrière, avec encore une fois l'année de production, donc 1987, comme vous pouvez voir. Voilà, elle est vraiment cool, la classe. Donc voilà, là c'était pour Roger Rabbit, des petits kiffs, donc un petit jouet, des petits porte-monnaies, une petite cravate assez sympathique. On va passer sur quoi, on va passer sur deux jeux vidéo, on va partir sur la PS4.
Alors, un jeu que je suis en train de bien kiffer, puisque j'adore Zelda, comme vous savez, mais Zelda sur PlayStation, je crois pas que ça existe, dans mes souvenirs du moins. Je suis pas un expert, hein, mais je pense pas que ça existe, puis étant donné que c'est Nintendo de base. Mais là, vous pouvez retrouver un peu pas le même délire que Zelda, mais avec Baldo, The Guardian Hall. C'est exactement le même esprit que Zelda. J'ai commencé le jeu, je dois être à 7-8 heures dessus, environ. Et on incarne vraiment donc un petit garçon avec une compagne, enfin il a une copine. Et il nous arrive plein d'aventures, on part à la recherche de plein de choses. Enfin, je vais pas vous spoiler l'histoire parce que vraiment, moi je la trouve vraiment cool. Et comme c'est une histoire unique, j'ai pas envie de vous raconter tout ce qui se passe. Mais par curiosité, allez voir ou faites-le pour ceux qui aiment Zelda. Parce que franchement, je vous le conseille, il est vraiment, vraiment énorme. Je l'ai chopé pour 12 euros sur Vinted. C'est à peu près le prix que j'ai pu le voir à peu près partout. Donc voilà, on va dire une grosse dizaine d'euros quoi. Et alors là, un jeu, celui-ci, je l'ai acheté dans mon cash. C'est uniquement la jaquette qui m'a fait l'acheter. Je l'ai testé, c'est rigolo, mais trop répétitif à mon goût. Donc pour le délire, voilà, celui-là je le garderai pas, c'est sûr et certain. Je vais aller un peu plus loin quand même dans le jeu pour voir un peu. J'ai déjà fait à peu près environ 3 heures dessus. Mais ça ira pas dans ma collection de jeux, ça m'intéresse absolument pas. Pas plus que ça, enfin pas du moins à garder quoi. Voilà, donc ça s'appelle Golgen 2 et Welcome to Pensu Paradise. Voilà, je vous montre le derrière. Alors je vais vous lire un peu ce qui se passe, enfin ce qui se passe, le but du jeu. Un jeu d'action et de tir palpitant à la première personne, manier de nouveaux gadgets pour aspirer les démons et les robes, échapper aux avances de plus de 70 filles folles amoureuses. En gros, on incarne un garçon au milieu d'un collège de filles, on va dire à peu près, voilà, qui sont toutes amoureuses de nous. Et elles nous rushent sans arrêt. Il faut qu'on les repousse avec des objets qu'on nous propose. Et il faut tuer des petits démons qui sont autour d'elles de temps en temps. Des fois, il y a des filles qui incarnent, enfin, il y a des démons qui sont incarnés dans les filles. Et puis avec des objets divers et variés, il faut voilà les repousser tout simplement. Et puis voilà, c'est vraiment pas ouf quoi, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo à essayer. Voilà, ce jeu-là, je l'ai acheté dans mon cash, pareil, j'ai dû le payer 15 euros, je crois, aussi, quand même. Donc voilà, bon, ça va repartir clairement à l'échange, ou à l'échange ou à la revente, mais ça restera pas à la maison. Qu'est-ce que. Alors, ça, ouais, je vais vous présenter ça. Ça fait un petit moment que je travaille dessus. C'est une grosse partie de mon enfance que j'ai kiffé. Alors, ce ne sont pas celles de mon enfance. Mais j'en ai eu énormément à cette époque-là. Il faut savoir que c'est une collection de 120 cartes. Et je me suis dit, quand j'ai revu ça il y a quelques temps déjà, il faut absolument que tu refasses cette collection. Et de la faux, étant collectionneur de pas mal de cartes différentes séries, donc du Dragon Ball, du Pokémon, et puis bah là, du coup, donc des cartes Sega Super Play. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. C'est des cartes, je crois que c'est 1995, si je me... non, même pas, c'est 91, 92, voilà. Donc il y a la liste avec les 120 cartes, les deux listes qui sont là, voilà. Et voilà, donc là il y a toutes les cartes. Alors je vais pas toutes vous montrer, mais ça concerne des jeux vidéo à chaque fois, bien évidemment. Voilà, il y a vraiment plein de jeux vidéo. Donc c'est Sega, hein, bien évidemment, parce que c'est Sega Super Play. Voilà. Et puis tenez par exemple, allez voilà, il y a la Echo le Dauphin. Pour tous ceux qui se rappellent de ça, je vais vous la montrer, je vais vous la sortir. Donc là, comme vous pouvez voir, en plus j'ai réussi à les avoir en état mint ou presque. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Et derrière, il y avait des notes, hop, du jeu vidéo sur le jeu vidéo, tout simplement, avec les graphismes, le son, la jouabilité et l'intérêt. Voilà. Donc il montrait aussi sur quelle plateforme c'était. Donc là, c'était sur Mega Drive, ouais, c'est ça. Et il y avait des petites astuces qui étaient à noter sur chaque jeu vidéo. Voilà. C'était des petites cartes qui se présentaient comme ça. Et moi, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Donc, quand je l'ai revu, il y avait Lucas, donc mon petit voisin, qu'on avait déjà une belle partie. Du coup, je me suis arrangé avec lui. On a fait une transaction tous les deux. Mais voilà, elles sont vraiment trop cool, quoi. On a du beau Batman, du Quackshot, du Kid Caméléon. On a le Moonraker de Michael Jackson. Le Decap Attack.
Voilà, on a du James Bond, du Sonic, bien évidemment, forcément, hein, l'emblème de Sega, quoi. On a du Double Dragon, du Afterburner, trop bien, l'Indiana Jones que j'ai là-bas. J'ai pas beaucoup de jeux de Mega Drive, moi d'ailleurs, enfin Sega, on va dire. J'ai toute la collection des Sonic quand même, il y a le jeu du McDo, d'après ce que je vois. Et il me reste. J'ai un Street Fighter aussi, je crois. Mais j'ai pas énormément de jeux, mais bon. Voilà, donc la collection des 120 cartes, donc toutes réunies. Voilà. Hop, jusque là, et puis qui finit par la dernière qui était Alex Stone de Street of Rage. Voilà, ça c'est les deux personnes de Street of Rage. Il y avait le Wonder Boy et puis le Tails de Sonic. Voilà, donc ça c'est la petite collection. Alors celle-là, je ne saurais pas dire combien elle m'a coûté en tout, mais je pense qu'on n'est pas loin de 80 balles environ. Ouais, on n'est vraiment pas loin de 80 balles pour ce classeur complet. Sachant que quand il est complet, il se vend beaucoup plus cher que ça. Donc, ouais, il a fallu que je cherche vraiment partout sur eBay, sur Vinted, que je fasse des échanges, que je rachète des lots. Il y avait 4-5 cartes qui m'intéressaient pour finalement avoir plein de lots comme ceci. Voilà, j'en ai plein, plein à vendre des cartes. Si jamais ça peut vous intéresser, j'en ai à plein à vendre. Je dois avoir peut-être la moitié du set, si ce n'est pas plus. De prête déjà à l'échange ou à la vente si jamais ça peut vous intéresser. Mais voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne connaissaient pas les cartes Super Play, Sega Super Play, vraiment vraiment trop content d'avoir fini enfin ce petit classeur. On va repartir sur un peu plus ancien niveau jeu. On va repartir sur du Super Nintendo. Un petit Killer Instinct. Je suis pas spécialement fan de ce jeu, par contre. L'ayant trouvé à la ressourcerie, à ma ressourcerie, 1 euro à l'entrée de la ressourcerie, bah, je ne l'ai pas laissé clairement. Hein. Ça ne se vend pas spécialement cher, d'après ce que j'ai vu, ça se vend dans les 8-10 balles. Alors j'ai déjà joué à ce jeu, comme je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je pense que je le remettrai à l'échange, tout simplement. Donc oui, c'est pour faire une petite plus-value, voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc voilà. Tout simplement 1 euro le petit Killer Instinct sur SNES. Ensuite, là, on a un jeu que j'ai voulu tester. En boîte, il est beaucoup trop cher. Là, je le suis trouvé en loose. Et c'est le Home Alone 2, donc en français. Alors, je le laisse dans son petit truc d'origine pour le moment. Enfin, dans son petit truc d'origine, dans sa petite pochette de protection. Mais assez content de le rentrer. Celui-ci m'est revenu à 28 euros. Le petit Home Alone 2, donc pas trop cher par rapport au prix où on peut les trouver. Mais voilà, assez content de le rentrer. Je ferai peut-être une petite vidéo dessus où j'essaierai de le faire un peu en let's play, on verra. Voilà. Donc ça c'était pour le côté Super Nintendo. Là c'est un jeu. Alors, comment dire? Je l'ai beaucoup joué. Je l'ai aimé et pas spécialement j'ai pas eu envie d'aller plus loin en fait parce que ben pareil un peu trop répétitif à mon goût mais bon je l'avais eu je l'ai revendu et finalement je me suis dit il me le refaut dans ma collection parce que c'est quand même un jeu sur lequel j'ai quand même pas mal joué c'est donc le Pokémon Tournament voilà sur Wii U en complet hop donc ça c'est vraiment cool je l'ai payé 10 euros. C'est pas spécialement cher et donc je voulais le remettre dans ma collection de Wii U parce que je pense qu'il a sa place en finale. Voilà. Ensuite, alors là, il me reste plus que deux choses à vous présenter. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai lu ce livre, ça, donc cette BD, je vais vous montrer. Donc c'est la BD de la Game Boy, donc Nintendo, voilà. Donc celui-ci, c'est, alors si je me rappelle bien, c'est 80. Attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. C'est ça, 92. Hop, là, que vous pourrez voir là, 1992. Et puis donc c'est sur la création, enfin l'arrivée de la Game Boy dans le monde, tout simplement. Avec l'histoire, donc un peu comme le film Tetris, si vous avez vu le film Tetris, si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à aller le voir. Franchement, allez-y. Enfin, je vous encourage, pardon, à aller le voir, pardon. Franchement, allez-y, parce que le film, il est vraiment extraordinaire. Et donc là, on arrive sur la découverte de la Game Boy, tout simplement, dans le monde. Et ça devient. Je vais pas vous raconter l'histoire. Allez la voir, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, et en plus de cela, la jaquette est vraiment énorme. C'est le numéro 1, je n'ai pas les autres. J'essaierai de les trouver. Mais il me fallait absolument cette petite BD. Quand je l'ai vue,
Je me suis dit, elle est vraiment, vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'est les BD de... comment? De la Game Boy, tout simplement. Voilà. Ces BD-là, celle-là, elle m'a coûté 8 euros. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est le plus gros achat, entre guillemets, du mois. Puisque j'ai pas réussi à le précommander comme beaucoup, malheureusement, puisque il a été très très vite pillé. Mais une personne que je connais, habitant sur Paris, a réussi à m'en trouver un au prix de vente de la précommande. Donc je suis très très content. Il me l'a renvoyé. Voilà l'état du carton. Je vous montre pas en dessous puisque c'est mes informations personnelles, mais voilà, donc l'état du carton, tout simplement. Et hop, donc pour ceux qui connaissent, hein, bien évidemment, vous avez reconnu, donc c'était la précommande qu'on pouvait faire pour avoir ce fameux petit coffret, hop là, sur la Switch. Donc le NES World Championship. Donc voilà, pour le jeu de collection qui est dedans. Alors, il est encore scellé, je ne l'ai pas ouvert, mais celui-ci. Je vais le découvrir parce que moi je l'ai pas, je me suis pas spoil spécialement. J'ai vu un peu le contenu dedans par rapport aux images qui sont derrière, mais je me suis pas spoil du tout dessus. J'ai pas voulu regarder de vidéo d'unboxing ou de choses comme ça pour le découvrir avec vous justement en direct. Donc on va l'ouvrir avec le petit cutter qui va bien. Hop, on va faire ça assez proprement. Et puis hop là, voilà. Ça y est, c'est ouvert ce coup-là. Je sais pas combien il y a eu d'exemplaires de tirés là-dessus. Je sais pas si c'est marqué ou pas. Tac tac tac. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bref, si jamais vous avez des infos là-dessus, vous me direz. Mais je suis quand même assez content. Donc merci, merci à toi qui m'a envoyé ceci au prix de précommande. C'est surtout ça qui est important parce que quand on voit que maintenant les prix sont passés de. Donc c'était le prix de précommande, pardon, c'était 75 balles si je me rappelle bien, ou 80, je ne sais plus. Et les prix sont passés tout simplement du simple au double, hein, comme de toute façon il y a de la spéculation maintenant surtout. Voilà, donc hop, je viens de vider la boîte, il y a encore un petit truc dans le fond d'après ce que j'ai vu. Hop. Et je vais vous présenter ces petits articles un par un. Alors on va commencer par le plus simple, tout simplement, le petit jeu. Voilà, le petit jeu où il y avait donc toutes les petites épreuves qu'il y avait à l'époque. Il y a 150 challenges sur 13 jeux disponibles. Donc c'était sur les championnats du monde de jeux de NES, donc de l'époque. Voilà, c'est plein de petits challenges. Il y avait des speedruns et des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, dedans, on y trouve quoi? On y trouve donc cette petite boîte. Je vais aller voir ce que ça contient. Je pense que ça doit être les pins, les autocollants et tout ce qui est listé derrière la boîte, tout simplement. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça le plus proprement possible. C'est pas spécialement évident, j'aimerais bien ne pas flinguer le plastique pour pouvoir remettre dedans si un jour je souhaite m'en séparer. Mais je ne pense pas, étant donné que c'est un petit coffret de collection quand même. Donc ça peut être sympa de le garder en état vraiment, vraiment hyper cool. Voilà, donc je l'ai déblisté. Je vais ouvrir ça, hop, si j'arrive à l'ouvrir parce que ça fait. Ah voilà, c'est bon. Hop là, on ouvre la boîte. Je vais poser ça là proprement. Il y a une petite protection en mousse par-dessus que je vais mettre sur le côté. Voilà, ouais, effectivement, c'est bien ça. C'est bien les superbes pins qui sont dans le coffret. Moi, je les trouve vraiment cool en version pixelisée avec le Donkey Kong. Le Zelda, le Mario, et puis celui-là, j'arrive pas trop à définir. Ça doit être. Je pense que ça doit être Metroid. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Alors, je suis pas un spécial fan des pins en eux-mêmes, enfin, sur l'objet lui-même, mais là, ils ont vraiment quand même bien bossé là-dessus. Ça, c'est vraiment sympathique. Ensuite, on a aussi ce petit objet-là. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je pense que ça doit être les stickers. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Donc, c'est les cartes. Hop. Je vais vous les montrer. Je vais sortir ça sans l'abîmer. Hop, hop. Voilà. Et donc, ce sont les fameux jeux qui sont dans le coffret, sur lesquels on peut jouer, pardon. Donc, il y a le Mario. Avec à chaque fois un petit dessin derrière. Vraiment sympa ces petites cartes.
Je vais poser ça là sans les abîmer. On a donc le Zelda, assez sympathique. Voilà, le Link. C'est bien ça, donc c'était bien le Metroid. On avait un peu de mal à reconnaître le personnage quand même. Assez cool. Le Donkey Kong. Classique. Le Kid Icarus. Très 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 bon jeu. Je l'ai pas sur la NES. Moi je l'avais fait sur... D'ailleurs, je l'ai jamais joué sur la NES. Je l'avais fait sur... C'est sur 3DS, je crois qu'il y a... Je dois l'avoir là. C'est ça, le Kid Icarus Uprising sur 3DS, je l'ai fait, et vraiment un très bon jeu. Du coup, je pensais plus du tout à ce jeu. Je pense que je me l'achèterai, j'essaierai de me le trouver pour la NES. Ce serait assez cool. Donc ouais, le Super Mario Bros 2, le X-Side Bike, c'était un speedrun qu'il y avait à faire dessus, si je me rappelle bien. Le Ice Climber, jamais joué à ce jeu non plus. Je ne connais absolument pas ce jeu. Je regarderai d'ailleurs ce que ça donne. Le Balloon Fight, c'est un bon jeu, un bon petit jeu assez rigolo aussi, ça. Vraiment cool. Donc bah forcément le Mario 3, hein. Ça c'est indiscutable. Une superbe carte de Link encore une fois. Hop, on a cette belle carte qui est magnifique. Allez. Je peux pas. Il y en a qu'une. Ouais, ok, c'est bon. Celle-ci, elle est vraiment sublime. Franchement, j'adore. Et forcément, le Kirby. Trop trop cool. Voilà. Donc ça, ce sont les petites cartes qui étaient dans le petit coffret collector. Et donc, l'objet ultime qui va bien pour la collection étant basé sur les jeux de Nintendo, ils nous ont bien évidemment pondu une superbe cassette, voilà, trop trop cool, du championnat du monde, voilà, NES édition. Et derrière, hop, ils ont remis tous les petits logos des jeux, comme on peut voir, la feuille du Mario, le champignon, l'épée de Link, voilà. Et ils nous ont fait un superbe socle transparent, gravé Nintendo, pour pouvoir poser la superbe cassette en exposition chez soi. Moi, je trouve ça trop, trop, trop stylé, clairement. Pour une fois, je trouve que les 80 balles du coffret, bah, clairement, pour une fois, pour moi, ça les vaut. C'est souvent qu'ils nous mettent des petits stickers à l'arrache, ou il y a plein de choses qui ne me plaisent pas généralement dans les coffrets. Là, pour le coup, j'ai absolument rien à dire sur tout le contenu du coffret. Les cartes, elles sont magnifiques. La cassette, bon bah voilà, c'est exactement ce qu'on veut exposer chez soi. Les petits pins, bon bah les petits pins, ils vont rester dans leur boîte, ils seront pas en expo parce que j'ai pas envie que la mousse elle prenne la poussière. Mais ou alors je mettrai les pins peut-être autre part. On va voir, je vais réfléchir à ça parce qu'ils sont quand même beaux, donc j'aimerais bien les voir dans ma petite salle. Et puis le jeu, voilà, tout simplement. Donc ouais, pour 80 balles, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà. Vous me direz si vous avez réussi à l'avoir. Et sinon, ce que vous en pensez, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce que... Oui, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo des petits kiffs de Myrix. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas exactement, on verra. En fonction de ce que je me trouve et de ce que je m'achète. Et puis sinon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo de Vite Grenier Live, tout simplement. Continuez à vous abonner, c'est vraiment trop trop cool. Continuez surtout à jouer, à vous faire plaisir, à défoncer vos consoles sur le... défoncer vos jeux sur vos consoles, faut absolument les utiliser, ces consoles, un jour. Malheureusement, un jour, tout ça disparaîtra, donc profitez-en. Et puis on se retrouve dans une future vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.